Salut mon loup, aujourd'hui petite vidéo pour te parler de mes dix essentiels sur le domaine de la santé, le domaine du sport en général, parce que tu sais qu'aujourd'hui c'est mon domaine, c'est ce que j'apprécie étudier, c'est ce que j'apprécie étudier sur moi, par conséquent ce matin je me suis réveillé de bonne humeur et je me suis dit que j'allais te tourner une petite vidéo où je te partagerai, comme je te l'ai dit, mes dix essentiels plus un bonus, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas le louper. Ok On commence tout de suite, prends des petites notes et on y va. Les premières, du moins mon premier essentiel, ce sont les chaussures barefoot. Chaussures barefoot, qu'est-ce que c'est Tu sais, on marche sur des chaussures depuis tout petit. On marche littéralement sur des chaussures, on ne marche plus sur le sol. Dans le passé, nous marchions sur le sol pieds nus. Il y a de ça bien longtemps. Cependant, depuis... Voilà, plusieurs centaines d'années, nous avons accès à des souliers. Aujourd'hui, nos souliers, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des semelles immenses, des semelles très molles qui viennent conforter le pied dans tous leurs déplacements. Ok Jusqu'ici, c'est clair. Et tu sais bien que, par exemple, on est d'accord pour dire que pour renforcer un muscle, il faut le travailler. Par exemple, pour avoir un gros biceps et un biceps fort, il faut faire du curl biceps ou des tractions. Tu me suis Alors pourquoi est-ce que les pieds, c'est le seul endroit du corps, le seul membre du corps où on le repose uniquement sur une semelle Fais le test. Ton pied est faible à souhait, à moins que tu fasses des sports de combat pieds nus. Euh, normalement, ton pied est extrêmement faible. Normalement, ton pied devrait être large, épais, et pas... Tout fin avec les doigts de pire croquevillé, tout rentré à l'intérieur, ce qui était mon cas pendant très longtemps, d'accord Parce que toute ma vie, j'ai mis des chaussures trop étroites qui me niquaient les orteils, alors que de base, les orteils doivent être comme les doigts d'une main et doivent tenir, doivent te solidifier sur tes appuis lorsque tu marches. Un pied, c'est du muscle, des tendons et des os. Ça, donc, ça doit forcément se renforcer en les musclant. Ok Et donc, quels sont l'avantage des chaussures barefoot et notamment des chaussures. Euh, five fingers, donc euh, cinq doigts de pied, celle que je porte pour la salle de sport si jamais tu as vu mes vidéos sur Instagram ou du moins sur YouTube aussi, et eh bien c'est que tu marches littéralement pieds nus avec une petite protection afin de ne pas te prendre des bouts de verre, de ne pas te prendre euh, des, euh, des, 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 des petits morceaux de je ne sais quoi qui pourraient traîner sur euh, un sentier. Ça te protège, mais tu as tout l'avantage de euh, la marche pieds nus. Et donc, tes, tes pieds sont solidifiés. Et à la salle de sport, d'où vient la force, notamment dans les mouvements de poussée, de squat, de zercher squat, etc. Eh et bien, ça vient du sol, ça vient de ta voûte plantaire, de tes talons. Et par conséquent, si tu les reposes sur une semelle qui est très molle et par conséquent très instable, eh bien, tu prends beaucoup de risques et tu perds énormément en force. Ok Donc, mon premier essentiel sont les chaussures barefoot. Donc, les chaussures, pour moi, à la salle, c'est five finger shoes. Donc, c'est vraiment le. Le, 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 la semelle la plus fine possible, il n'y a littéralement rien, plus l'avantage c'est qu'il y a les doigts de pied, donc tu peux vraiment bouger tes orteils à l'intérieur, et vraiment avoir l'impression d'un pied nu, et lors de tes sorties un petit peu plus euh, casual, même si ce n'est pas vraiment esthétique, tu as des chaussures barefoot classiques, sans les orteils, donc qui paraissent plus esthétiques, qui, ne font, qui font moins réagir, qui sont moins bizarres, moins étonnantes, et eh bien euh, ces dernières te permettent d'avoir l'avantage du pied nu, mais en ayant encore une meilleure protection que les five fingers et en paraissant moins étrange que ces five fingers, comme je te l'ai dit euh, juste à l'instant, ok Ensuite, mon deuxième essentiel, c'est quelque chose que j'ai intégré il y a deux ça euh, deux mois environ, vraiment intégré grandement dans mon alimentation, c'est le collagène et la gélatine, ok Alors tu sais, j'ai souvent vendu, et tout le monde te vend un petit peu cette euh, euh, diète ancestrale, oui, nos ancêtres mangeaient de la viande tous les jours, donc il faut manger de la viande tous les jours. Oui, manger du steak tous les jours, c'est normal, blablabla. Bla bla. Oui, je suis d'accord, du moins j'étais d'accord dans une certaine mesure. Je suis d'accord, pardon, dans une certaine mesure aujourd'hui, de par mes nouvelles recherches. Il est vrai que nos ancêtres consommaient de la viande. C'est pour ça qu'on en mange. C'est très important de manger de la viande. Cependant, nos ancêtres n'avaient pas accès qu'à des steaks. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Nos ancêtres ne mangeaient pas. Que euh, la partie d'une cuisse d'un bovin. Ils mangeaient l'entièreté du bovin et donc les tendons, euh, tout ce qu'il y a autour des os, etc. Okay donc il y avait forcément beaucoup plus euh, d'absorption de gélatine okay euh, lors de leur consommation de viande. Ils ne consommaient pas que de la viande musculeuse, alors que nous, aujourd'hui, on a tendance à ne consommer que de la viande musculeuse. Jusqu'ici, c'est clair. Il est peu probable qu'aujourd'hui tu fasses des bouillons d'os, à ce que je sache. Peut-être que tu ne connais même pas ce que c'est, peut-être que tu n'en fais pas. Sauf que, nous devrions, euh, selon les études, j'aime pas trop me baser sur les études, mais j'aime me baser sur mon ressenti, et aujourd'hui si je t'en parle, parce que mon ressenti est extrêmement bon, du moins par rapport aux études, tu devrais consommer environ 30% de ton apport en protéines en collagène slash gélatine, parce que les acides aminés de la viande musculeuse peuvent être inflammatoires. Okay. Et donc, euh, les acides aminés de la, du collagène ou de la gélatine, eux, viennent contrer ces effets inflammatoires et sont, comme tu le sais, très bons pour l'élasticité de la peau, pour la jeunesse de la peau, pour les cheveux, pour les ongles, pour les tendons, pour les douleurs articulaires et également pour la santé digestive. Okay. Donc, collagène, gélatine, maxing, moi, tous les jours, c'est environ... Honnêtement, c'est beaucoup. Euh, je consomme 70 grammes, 80 grammes de collagène et de gélatine quotidiennement, euh, parce que je consomme beaucoup de protéines à côté, évidemment, ok Donc, je te conseillerais de moins manger de viande et de consommer davantage de collagène, du moins de... Si tu consommes de la viande musculeuse, consommer également du collagène avec et de la gélatine ou de la gélatine pour contrer cet effet inflammatoire, ok Ensuite, mon troisième essentiel, c'est la méthode x3. Méthode x3, c'est ma méthode d'entraînement que j'ai partagée il y a de ça maintenant 2-3 semaines qui fonctionne extrêmement bien. Euh, c'est pas encore une centaine de personnes qui l'utilisent, mais presque, puisqu'elle se vend tous les jours et moi je l'utilise moi-même. Donc la méthode x3, c'est 4 entraînements semaines, 2 euh, upper, 2 lower, avec ma manière. Donc ma manière, qu'est-ce que c'est du lourd, beaucoup de mouvements polyarticulaires, beaucoup d'endurance musculaire, beaucoup de volume, beaucoup de congestion, des chocs métaboliques, ok Donc c'est une méthode qui est testée, testée, réapprouvée, évidemment, par moi-même, par mes amis, par mes proches, et par maintenant quasiment 100 personnes dans la communauté, et tous mes gars dans ce vaginabolisme également pratiquent la méthode x3, mais en étant personnalisé, évidemment, mais vraiment, après avoir fait 7, 8 ans de sport, Intensément, en ayant tout essayé, eh bien aujourd'hui je peux le dire avec certitude, c'est la méthode qui prend le moins de temps et qui a le plus grand impact sur le physique. J'ai tout essayé. Je me suis entraîné deux fois par jour pendant des années. Je me suis entraîné sept jours sur sept. Je me suis entraîné euh, parfois en méthode, non, en méthode, en série unique. J'ai tout essayé. J'ai fait du upper, du lower, du push pull legs, euh, du, du speed bro. J'ai tout essayé. Et aujourd'hui, j'ai le meilleur physique en m'entraînant le moins possible, quatre fois par semaine. Okay Donc, le plus n'est pas toujours l'ami du bien, surtout en sport. Okay je sais de quoi je parle puisque je m'entraînais, comme je te l'ai dit, deux fois, par, deux, enfin, deux fois par jour. Donc, aujourd'hui, j'ai la méthode. Donc, si ça, si ça, si ça t'intéresse, pardon, la méthode x3, c'est le premier lien en de description et tu peux te la procurer pour vraiment pas cher. Et tu peux déjà exploser physiquement. Tu verras des résultats en 2, 3, 4 semaines, je peux te le garantir. Okay c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Ensuite, mon quatrième. Euh, mon quatrième, c'est le mouvement Zercher. mouvement Zercher, qu'est-ce que c'est le mouvement Zercher C'est lors de la musculation, c'est prendre la barre. Imaginons, tu, tu connais le back squat. Le back squat, tu mets ta barre sur les trapèzes. Eh bien, le Zercher, tu la mets plutôt là, dans le creux de tes avant-bras. Et tu peux faire quasiment du coup euh, du Zercher squat du Zercher Shrugs pour les trapèzes, du Zercher Deadlift qui est un mouvement extrêmement complexe, donc vraiment à pratiquer lorsque tu es avancé et que tu as un physique déjà solide, parce que sinon c'est la blessure assurée, tu as euh, le Zercher Good Morning qui est extrêmement bon, et en fait pourquoi est-ce que je pratique autant de autant Zercher et pourquoi est-ce que je le préconise Parce que, en fait, les gens sont toujours là, oui fais attention à ton dos, oui si tu fais ça avec ton dos tu vas te blesser, oui, mais si tu te blesses. Ton dos facilement, c'est parce que ton dos est trop faible. Et moi, qu'est-ce que je veux C'est un dos fort, capable de tout. Et la colonne vertébrale est censée pouvoir générer de la force dans toutes ses positions. Donc, oui, le dos droit pour des charges extrêmement lourdes, c'est la vérité. Je ne vais pas faire le, euh, le zététicien qui dit non, c'est dos rond, on s'en bat les couilles. Non. Mais il est important de savoir lever des charges, même avec le dos rond, donc avec un Zercher deadlift, avec des charges adaptées à ta personne. Okay Et le fait de faire des mouvements. Particuliers comme ces derniers vont faire de toi et de ton corps euh, quelqu'un d'antifragile, littéralement. Puisque comment veux-tu blesser quelqu'un qui a des lombaires euh, plus gros que des dorsaux Parce que c'est littéralement le cas. Tes lombaires bossent sur tous les exercices de Zercher et tu deviens extrêmement solide. Et l'avantage d'avoir un travail conséquent plusieurs fois par semaine sur euh, les fessiers, sur les lombaires et sur les, les, les quadriceps et les ischio, c'est que ça consomme beaucoup, beaucoup de calories. Ça améliore, ça accélère ton métabolisme. Et par conséquent, tu prends davantage de masse musculaire. Tu sèches davantage plus facilement parce que le muscle euh, prend beaucoup de glucose facilement. Et donc voilà, c'est un cercle vertueux. Donc Zercher à mort, ok Et on en parle dans la méthode x 3 évidemment, lien en description. Ensuite, mon euh, quatrième, euh, cinquième essentiel, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, euh, quand est-ce que je l'utilise Eh bien, je l'utilise quasiment tous les jours après mes repas. En fait, ce que je fais désormais, c'est que dès que je consomme des glucides, plutôt que d'attendre sur mon ordinateur avant de me prendre le crash, eh bien, je vais... Ma corde à sauter soit une légère donc classique soit une lourde de 2 ,5 kg 5 et je me mets sur la terrasse ou ailleurs dans l'endroit où je suis et je vais faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de corde à sauter. L'avantage de la corde à sauter c'est que déjà ça brûle un peu de calories, après avoir mangé ça accélère ton métabolisme, ça te permet de gérer ton pic d'insuline, ça permet également de faire circuler la lymphe, OK Puisque la lymphe n'a pas de pompe, la lymphe, il faut absolument la faire circuler, évidemment la lymphe tu la fais circuler parce que tu fais du sport, parce que tu Génère des contractions dans tes muscles, etc. Cependant, vraiment, la cordosté c'est le meilleur pour faire circuler la lymphe. Donc, déjà, euh, également, ça te permet euh, d'avoir un meilleur contrôle sur ta proprioception, sur. Euh, voilà, sur. Le, le, comment on appelle ça La. Sur, sur, le, sur, sur la vision, sur euh, la coordination également, voilà ce que je cherchais comme mot. Euh, c'est extrêmement bénéfique. Ça permet de faire un petit peu de cardio sans trop se faire de mal. Euh, ce qu'il y a beaucoup moins d'impact que la course à pied par exemple La course à pied et longue distance qui est extrêmement mauvaise pour la santé, hein, d'accord Puisque ça génère trop de stress oxydatif sur le corps. Il faut absolument l'éviter. La course à pied, c'est merdique. Okay si vous kiffez, tant mieux. Mais sachez que pour la santé, c'est nocif. Donc, cordes à sauter, voilà, un petit peu tous les jours. Et moi, je vois de grandes différences sur mon physique depuis que j'en fais tous les jours 10 minutes, 20 minutes. Et amusez-vous avec une légère et une très lourde de 2,5 kg. Ça fait vraiment des entraînements très complets. Ensuite, euh, j'ai noté le chilagite et le, la butasperba, qui sont deux compléments alimentaires que je consomme depuis maintenant plusieurs mois. Et ce sont littéralement... <coughs> pardon les compléments alimentaires que je préfère prendre dû à leurs effets, puisque ce sont des compléments que tu sens vraiment. Le chilagite, qu'est-ce que c'est C'est très simple. Euh, c'est un complément qui contient quasiment tous les minéraux dont ton corps a besoin. Donc, nécessairement, tu sais que la testocérone, si elle manque de minéraux, eh bien, elle baisse. Et si elle est full minérale, full minéraux, elle augmente naturellement. Il y a plein beaucoup pardon d'acide fulvique qui également aide au maintien euh, des, des hormones, etc. Euh, C'est un très bon euh... Lorsque tu, tu, tu augmentes les doses, par exemple, ça vient vraiment te, te nettoyer de l'intérieur, c'est extrêmement bon pour la santé. Et la butasperba, c'est un complément. On appelle ça euh, le, le, le Viagra thaïlandais. Et je peux te le dire, si tu combines le chilagite et la butasperba, tu vas trouver ton putain de plumard. C'est infernal, mais ça fonctionne extrêmement bien. La butasperba augmente la DHT, la DHT qui est une hormone. Euh, Précurseur de la testostérone, on va dire. Encore plus puissante que la testostérone. C'est celle qui te donne toutes les caractéristiques masculines. La, euh, la, la voix grave, la pilosité faciale, la pilosité tout court, le, 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 la, la, la mentalité de conquête. Euh, quand, quand je vais à la salle sous bêta super bas, je suis extrêmement confiant pour mes bars. J'ai augmenté tous mes lifts depuis que j'en prends. Je me sens extrêmement bien. Donc ce combo, c'est fabuleux. Je ne peux que le conseiller. D'accord Ensuite. Mon, euh, notre, bon, de compter. Mon autre euh, indispensable, c'est le short en coton. Short en coton, pourquoi Parce qu'on est des sportifs, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on vit dans des euh, endroits chauds parfois dans le monde, parce que là je pars à Bali par exemple. Short en coton parce que, voilà, ça te permet d'être libre de tes mouvements, ça te permet de pouvoir faire du sport, de travailler de manière confortable, sans avoir de produits toxiques près de tes testicules. C'est important ça, ne pas avoir de short en polyester qui viennent chauffer sur ta peau et qui par conséquent viennent baisser tes taux hormonaux. D'accord euh, Donc, short en coton, le classique, évitons tout ce qui est polyester, tout ce qui est polyamide et toutes ces conneries, tout ce qui est élastane. On évite. Coton full, coton maxing, c'est extrêmement important, notamment pour les caleçons, les boxers. Et ça va très bien. Ce que je dirai ensuite, c'est free. Bold, c'est ça mon autre essentiel, c'est ne plus jamais porter de caleçon, ne plus jamais porter de boxer, parce que si tes testicules sont en dehors de ton corps, c'est parce que il y a une bonne raison, tes testicules doivent être plus froides que le reste de ton corps, parce que sinon cela vient perturber la production des spermatozoïdes, la qualité de tes spermatozoïdes. Et si par exemple tu as tous les jours un boxer en polyester, donc en plastique, qui touche tes testicules, qui chauffe sur tes testicules, cela vient... Euh les implémenter littéralement de microplastiques à l'intérieur. On retrouve du microplastique dans les testicules des hommes maintenant, euh, notamment dû à l'eau que l'on consomme, etc. Et tu peux devenir stérile. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Tu peux simplement suivre ce conseil et me remercier plus tard lorsque tu pourras faire 10 beaux enfants et euh, tu pourras en appeler un Robin. Voilà. Tu diras, voilà, lui c'est Robin, après c'est Robin numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et après ce sera 5 filles, tu choisis les prénoms. Mais c'est que des Robins que tu vas appeler tes enfants, d'accord euh, chose que je n'ai pas notée mais que du coup je vais rajouter, un autre essentiel c'est filtrer son eau. Donc une gourde pour filtrer son eau parce que l'eau aujourd'hui est polluée. Il y a des polluants éternels. Il ne faut pas faire confiance au gouvernement. Il y a des polluants, euh, comme je t'ai dit, donc, éternels, des résidus de pesticides, il y a des métaux lourds, il y a euh, les... Euh... Des résidus, des résidus pardon, médicamenteux, notamment de, des hormones féminines, de la pilule. Par conséquent, cela vient niquer tes taux hormonaux, cela vient te niquer la santé. Donc, une gourde ou des filtres, un osmoseur que tu mets sous l'évier ou simplement une gourde oco, euh, que j'ai déjà conseillé plein de fois dans le passé. Il faut absolument euh, toujours filtrer son eau et également filtrer l'eau de ta douche. ok Toujours se trimballer avec un filtre. Moi, j'ai toujours un filtre lorsque je voyage, un filtre que j'ai acheté sur Amazon, qui filtre l'eau parce que. L'eau que tu mets sur ta peau, la peau c'est un organe immense qui absorbe absolument tout. Et donc, si tu mets de l'eau chaude sur ta peau, qui ouvre tes pores, donc de l'eau du robinet qui est remplie de résidus de pesticides, de métaux lourds, d'hormones féminines, à ton avis, quels sont les résultats sur le long terme C'est dramatique. Dramatique. Okay donc, filtrer l'eau de ce que l'on boit et filtrer l'eau de sa douche, c'est extrêmement important partout où l'on va. Ensuite, euh, écran rouge sur l'iPhone plus Mac. Et plus des lunettes anti-lumière bleue. Euh, ça, pourquoi faire Parce que tu sais que, euh, au plus tu contrôles, euh, du moins au plus tu euh, régis ta vie en fonction de la lumière du jour, au mieux tu vas vivre au mieux tes hormones se porteront, au mieux ton mood sera, etc. Parce que normalement, dans le passé, nous vivions selon euh, les règles du soleil, selon euh, à quel moment le soleil se levait, à quel moment le soleil se couchait. Aujourd'hui, on a des lumières bleues un peu partout. Nous avons des lumières blanches qui viennent nous exposer les yeux, qui viennent nous dérégler totalement et qui sont très mauvaises pour la, pour la santé. Donc, main, arriver à 18h, 19h, 20h, absolument mettre des lumières, enfin des lunettes anti lumière bleue, des vraies avec euh, des... des, 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 des des carreaux orange, des carreaux rouges littéralement, plus mettre l'écran rouge sur l'iPhone et le Mac. Cela te permettra de, si tu veux continuer à bosser le soir, sans perturber euh, ton sommeil euh, qui viendra ensuite. Et cela sera forcément bien mieux pour ta santé au global. Okay Comment mettre l'écran rouge sur l'iPhone et le Mac Tu as plein de tutos, tu le mets sur YouTube, ok euh, Ensuite, j'ai écrit manger beaucoup. Manger beaucoup pourquoi parce qu'on veut que notre corps fonctionne à plein régime. On veut que euh, notre corps soit rempli de calories, de nutriments, de micronutriments au quotidien, du matin au soir, afin de euh, pouvoir fonctionner à putain de plein régime. Il faut maximiser son métabolisme et ne pas le limiter. Il faut beaucoup manger pour beaucoup dépenser. Beaucoup manger pour avoir beaucoup d'énergie et beaucoup dépenser de calories. C'est la vision que j'ai aujourd'hui de l'alimentation parce que euh, je crois évidemment au jeûne etc à ces quelques bienfaits, mais je ne crois pas aux bienfaits du jeûne lorsque l'on est déjà en santé en fait. Aujourd'hui, je consomme beaucoup plus de calories que dans le passé et je reste pourtant aussi sec alors que je m'entraîne moins. Et tout ça parce que j'ai augmenté mon métabolisme grâce à tout ce que je t'ai abordé. Hein. Là, jusqu'à présent, corde à sauter, collagène, gélatine, la méthode x3, euh, voilà, le shilajit, voilà tout, tout, tout ce qui sort en coton pour la testosterone. Bref, on augmente notre métabolisme grâce à tout un tas de petits détails qui, sur le long terme, viennent créer une grande différence. Okay Donc, consommer beaucoup de calories. Ensuite, j'en ai encore deux qui sont du coup le mastic de Chios et que l'on va coupler directement avec le massage de masséter Donc, qu'est-ce que le mastic de Chios C'est euh, une résine qui pousse sur le pistachier, uniquement sur quelques, quelques endroits dans le monde, donc notamment sur l'île de, sur de uh, Chios en Grèce, et il y en a un petit peu en, en Turquie également, mais ce n'est pas exactement euh, le, le, la même résine, mais ça peut être assez similaire. Euh, qui, cette résine a beaucoup de bienfaits. Déjà, elle est très bonne pour la santé bucco-dentaire, elle est très bonne pour la santé de la langue, santé euh, digestive, etc. Voilà, elle est bonne pour la peau. Et également, bah, du coup, elle est extrêmement dure, et par conséquent, elle viendra muscler tes muscles massétaires. Sans avoir besoin de mettre du plastique dans ta bouche. Tu connais toutes les, euh, toutes les marques de, de, de Joe Design, de Joe Liner, etc., qu'on a beaucoup utilisées dans le passé. Mais aujourd'hui, je préfère utiliser des choses naturelles qui ne sont pas nocives pour moi. Okay Il faut en consommer très peu. Hein euh, pas besoin de consommer euh, 4 heures tous les jours parce que ça pourrait perturber euh, le microbiote puisque c'est quand même quelque chose de très puissant. Okay Donc moi, ce que je fais, c'est 10, 15 minutes par jour, 20 minutes, parfois j'en consomme même pas, mais en tout cas, ça vient muscler la mâchoire, et ça vient déballonner après avoir mangé, si jamais tu n'as pas le temps de faire de la cordacité ou quoi que ce soit. Okay et mon dernier, euh, mon dernier, mon dernier, mon dernier essentiel, c'est le thumb pulling et thumb pushing. Thumb pulling, thumb pushing, qu'est-ce que c'est C'est une méthode assez invasive pour améliorer la structure de son visage. Euh, je ne vais pas te montrer d'exemple aujourd'hui. Euh, sache que j'en ai parlé, j'ai fait tout un module euh, dessus dans ma formation, L'art de l'apté masculine, qui est ma, ma formation vendue jusqu'à plus, plus 500, 600 personnes. Je sais même pas à chaque fois je dis ça, mais je crois, je crois que c'est plus aujourd'hui. Il euh, y a tout un module là-dessus. En gros, euh, le tom pushing, tom pulling, euh, se base sur euh, une pratique d'orthodontie qui s'appelle euh, l'expansion palatine. L'expansion palatine, qui est un, un appareil que l'on met sur le palais afin d'élargir le palais. Okay. Et donc si tu élargis ton palais, eh bien, tu auras une structure osseuse, des pommettes plus saillantes, des pommettes plus hautes, une mâchoire plus large. Peut-être que tu ne me crois pas, mais simplement expansion palatine euh, sur YouTube bif, ou sur euh, Google Before-After, et tu verras la différence notable sur le visage d'une personne, d'un homme ou d'une femme. C'est le BABA. Aujourd'hui, dû, à, notre position, fin, dû pardon, à la position de notre langue dans notre bouche, on a un palais beaucoup trop fin, beaucoup trop étroit en général, dû à l'alimentation que l'on mange, on a un palais beaucoup trop fin, beaucoup trop étroit, par conséquent, cela se voit sur la structure osseuse de notre visage. Donc le thumb pushing, thumb pulling, viendra avoir un impact, comme l'expansion palatine, euh, à la maison, gratuitement. Évidemment, c'est moins efficace, mais si tu commences assez jeune et que tu fais tous les jours, comme je le partage dans la formation, toute la routine, je la partage dans la formation, eh bien, tu auras des résultats énormes, fais-moi confiance et moi, je le fais tous les jours et j'adore ça. Voilà, je me sens beaucoup mieux, je respire mieux. Mon palais est plus large, ma langue rentre bien sur le palais pour le New Wing. C'est magnifique. Ok Voilà, j'ai été assez efficace, j'ai l'impression. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a aidé, que tu as apprécié, que tu pourras t'inspirer de tout ce que je t'ai dit. Et écoute, euh, like, commente, abonne-toi pour euh, me faire plaisir, pour me soutenir. Pour me dire ce que tu veux voir dans le futur et également bah, tu peux bosser avec moi tu as plein de liens en description tu as euh, mon coaching Savage anabolism pour vraiment performer sur six mois tu as la méthode x3 que j'ai également abordé dans, dans la vidéo puis tu as toutes mes formations mes lettres privées etc et voilà il y ya plein de trucs pour toi qui te permettront d'évoluer de ton côté euh... et c'est tout allez de toi c'était Robin à plus